Bonjour, effectivement, je suis lyonnaise et au chômage depuis le mois de mai, chômage économique. Donc, mon activité, mes dernières activités se situaient dans le monde de l'assurance, de la banque, de la finance, de la gestion. Donc, après ce chômage effectif, je cherche du travail sur la région lyonnaise à l'équivalent qualitatif et en rémunération de ce que j'avais et ne le trouve pas. Donc, une période de réflexion m'amène à me dire, j'ai des compétences, je veux les mettre au profit et au service des TPE, des artisans, des commerçants qui n'ont pas la capacité, les moyens ou la compétence pour assurer leur suivi administratif, leur suivi commercial, leur suivi en matière de gestion bancaire et d'assurance. Je suis quelqu'un de structuré, d'organisé, j'aime travailler seule, ça ne me dérange pas. Donc, tout ça m'amène à me dire, le télétravail, c'est fait pour moi. Donc, à partir de ce constat, je sollicite tous les secteurs possibles à Lyon, chambre de commerce, chambre des métiers, Pôle emploi, et aucune structure cohérente m'a dit, votre projet, il est viable, on peut vous orienter de telle et telle façon, parce que forcément, je peux avoir besoin de plusieurs aides, quelles qu'elles soient. À force de chercher sur Internet des possibilités, je suis tombée sur le site de Solosaire et que j'ai trouvé attractif. J'ai trouvé que le département avait envie de vivre et de faire vivre sa structure en apportant du sang neuf par le biais du télétravail. Donc, c'est ce qui m'a amenée aujourd'hui à me retrouver avec vous au sein de cette organisation que j'ai trouvée formidable aujourd'hui, qui m'a permis de répondre à certaines questions que je me posais, qui en soulève d'autres, qui va me permettre de travailler tout cet acquis, tout l'acquis reçu de ce jour pour pouvoir avancer sur le projet avec vous. Et j'espère que je pourrai très bientôt faire partie des vôtres et travailler dans votre beau département.